Salut à toutes et à tous, c'est Opium, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'essayer un jeu qui s'appelle Torchlight, en version Torchlight 2, en version démo disponible en téléchargement sur Steam. D'ailleurs le jeu est disponible en téléchargement depuis septembre 2012. Ici on va s'essayer donc à la version démo, qui est plutôt pas mal, qui est assez longue, hein. On peut jouer facilement une heure dessus, donc ça permet d'avoir une bonne vision du jeu. Alors il s'agit d'un hack and slash, un petit peu action RPG aussi, qui a été développé donc par Runic Game, une société qui a été créée par des anciens de Blizzard, puisqu'il va s'agir donc d'un hack and slash dans la lignée directe des Diablo. Les développeurs ne s'en cachent pas, il s'agit carrément d'un Diablo-like. Donc on va aller voir, on va se créer une nouvelle partie directement. Donc on commence le jeu en créant son perso. Donc on peut choisir un homme ou une femme. Alors on va prendre un homme pour changer. Alors on a quatre classes, hein, qui sont complètement différentes de du premier Torchlight. Donc on a d'abord l'ingénieur, on a ensuite l'Umber Mage, donc qui utilise plus la magie, le Berserker qui utilise donc des armes avec ses deux mains, l'ingénieur donc je l'ai dit, et le Outlander qui utilise donc des armes à feu souvent, soit une main, soit des armes, des canons, des styles canons utilisables à deux mains. Donc on peut modifier le visage, les cheveux, donc c'est assez varié, c'est plutôt sympa. On peut modifier bien son perso, donc on va prendre ça, un Outlander. Et donc on choisit comme dans le premier Torchlight, on choisit un animal de compagnie. Donc on a un lama, un jaguar, une panthère, un bulldog, un chat, une espèce de dragon, et un stag qui est un cerf. Donc je sais pas, on va prendre le bulldog par exemple. On peut changer un petit peu son apparence. Il s'appelle Owen, et donc il va nous suivre tout au long de l'aventure. Donc dans ce jeu, qui a 4 difficultés, donc casual, normal, vétéran, élite. Donc casual c'est vraiment très facile, en normal c'est assez facile, et vétéran et élite sont quand même plus à conseiller si vous connaissez déjà ce genre de jeu de style Diablo. Donc moi je vais essayer en vétéran, on va bien voir ce qu'on peut faire avec le niveau vétéran. Donc on peut jouer, la nouveauté de ce Torchlight 2 par rapport au Torchlight 1, c'est qu'on peut jouer sur internet en multijoueur ou en local. Bon là pour l'instant on va jouer en single player. Donc c'est un jeu qui est composé de 3 actes dont les niveaux sont générés aléatoirement comme un Diablo. Et donc le scénario c'est qu'il va falloir poursuivre l'alchimiste. L'alchimiste qui était donc un des personnages jouables dans le premier Torchlight. Et ici il va vouloir détruire, il a détruit la ville de Torchlight, donc il va falloir le rattraper pour récupérer les 6 éléments de la Terre. Enfin un scénario qui est assez basique, assez simple, qui est pas vraiment très important, puisque le but principal ça va être quand même de buter des méchants dans un univers médiéval fantastique plutôt bien réussi au niveau graphisme, comme vous pouvez le voir, un style un petit peu cartoon qui ne plaira pas forcément à tout le monde. Enfin les graphismes sont quand même très jolis. Alors la première différence avec le premier Torchlight, c'est qu'il va s'agir de niveaux plus en extérieur qu'en intérieur. À la différence même des Diablos qui sont plutôt en intérieur. Ici on a pas mal de niveaux à l'extérieur, donc c'est plutôt sympa. Et il y a pas mal de décors assez jolis. On a vraiment envie de parcourir les niveaux, de faire de l'exploration. Puisque voilà, les niveaux sont générés aléatoirement, donc c'est beaucoup basé sur l'exploration. Alors la force du jeu, ça va être aussi le loot, typique des hack and slash, hein, des Diablo-like, puisqu'il va y avoir énormément de loot dans ce jeu. Alors je vous montre d'abord quelques scènes d'action contre des petits ennemis pas trop méchants.
Et après, je vais vous expliquer un petit peu toutes les possibilités de ce jeu. Bon, là, il n'y a plus trop d'ennemis. Ah si, voilà. Donc, c'est un pointé-cliqué. Innové par les Diablo en 1997 avec le premier Diablo. Donc il suffit de cliquer sur les ennemis pour les buter, de récupérer donc des trésors. Donc là c'est une bombe, donc elle va péter dans 2 secondes, voilà. Et donc de récupérer du loot, identify scroll, voilà, on récupère des objets. Là on peut dépouiller un mec. Un ancien garde qui a été tué. Bon, alors je vais vous présenter un petit peu ce qui se passe à l'écran. Ah, donc ici on a le pet panel, donc notre animal de compagnie qui peut avoir plusieurs cases d'équipement. Ah, il y a un méchant. Hop, hop, hop. Voilà, qui peut avoir plusieurs cases d'équipement qui va servir un petit peu de mule en fait à notre perso principal. Bon, je vais vous montrer juste après. Notre perso principal, donc, qui a donc des niveaux, qui se passe, voilà, c'est un hack and slash. Donc, on passe les niveaux en tuant de plus en plus d'ennemis, en obtenant de plus en plus d'expérience. Et donc, on monte les niveaux et on répartit ensuite nos points dans différentes compétences qui sont donc la force, la dextérité. Donc, ça, c'est pour la magie, la dextérité. Le focus, c'est le focus, c'est la magie de mage. Et donc, la vitalité par rapport à l'armure. Donc ici je n'ai pas de points encore à distribuer. Il faudra que je passe donc le premier niveau pour le faire. Donc après ça dépend de votre style de jeu, plutôt bourrin ou plutôt magie. Enfin, quitte à prendre magie, autant prendre le Humber Mage, qui est donc spécialisé dans la magie. Ici donc c'est tout un tas de statistiques par rapport à nos attaques, nos armures, nos armes. Alors ici c'est le plus important, ça va être donc notre équipement. Donc encore une fois dans la lignée des Diablo. Donc on s'équipe avec des armes, avec des armures, des jambières, des bottes, des casques, amulettes, des anneaux. Ici on a pour les épaules, pardon, une ceinture, des gants, et donc une arme primaire et une arme secondaire. Donc à chaque fois qu'on passe dessus, voilà, il nous montre ce qu'on a et ce qu'on pourrait avoir. Enfin, la différence entre les deux équipements. Bon, là pour l'instant j'ai pas encore récupéré d'équipement, donc je vais pas pouvoir vous montrer grand chose. On va attendre un petit peu d'avoir plusieurs équipements. Ici il l'or pour acheter différents équipements et pour pouvoir les vendre. Il va y avoir plusieurs quêtes dans le jeu à réaliser. Ici donc on a la carte en haut à droite. Ici comme toujours dans les hack and slash, on a une barre de vie en rouge avec une grosse bulle. Ici donc 135 sur 218, et ici donc les manas pour utiliser la magie. Ici notre arme primaire, donc là j'ai choisi le Outlander, donc c'est plutôt spécialisé dans les flingues, hein. Un flingue ou deux flingues ou un gros flingue, parfois un canon même plus tard. Alors ici on utilise donc les boutons 1, 2 et 3 du clavier jusqu'à 10, enfin jusqu'à 9 et 0. Donc ici on a des potions de vie qui nous remontent donc notre vie en rouge, et donc des potions de mana qui nous remontent donc notre mana. Après on pourra rajouter donc d'autres armes secondaires. Alors j'ai pas utilisé la deuxième arme avec le clic droit de la souris. Là j'utilise le clic gauche, et donc avec le clic droit on a une arme un peu plus puissante de magie. Donc j'aimerais vous récupérer quelques objets pour pouvoir vous montrer un petit peu l'utilité de l'animal de compagnie qui est assez importante. Donc au niveau de la rejouabilité c'est quand même assez énorme, puisque voilà, il va y avoir 3 actes en plusieurs épisodes. Avec des niveaux générés aléatoirement, donc chaque partie va être différente et chaque niveau est assez grand à explorer. Donc en fait on joue quasiment jamais la même partie, donc ça c'est plutôt sympa et ça fait plaisir quoi. Voilà, donc là j'ai passé le niveau 2, donc il me dit, hop là,
me dit ici que j'ai des points à répartir donc dans mon sur mon personnage. Ah, il y a un truc que j'ai pas vous, je vous ai pas montré aussi. Alors donc on va monter le strength, hop hop, et un check. Voilà. Et ici voilà, j'ai pas montré ici, on a plusieurs skills à développer. Oula, il y a du monde. Alors voilà, heureusement qu'il y a mon animal de compagnie qui me défend un petit peu. Donc ici on peut augmenter différents skills. Alors chaque perso va avoir différents skills qui sont propres au perso. Donc le rapid fire, donc il y a énormément de skills à développer. C'est assez hallucinant. Donc ça c'est pour la rejouabilité, c'est aussi excellent. Donc ici on va développer le rapid fire. Donc qui va se développer au fur et à mesure de notre avancée dans le jeu. Et donc on va continuer un petit peu l'aventure en regardant un petit peu la carte où on va. Donc les différences avec le Torchlight 1, je l'ai dit, c'est le multijoueur qui est important et qui était très attendu par les joueurs. Voilà, le jeu est sorti en fait 4 ou 5 mois après Diablo 3. Donc les développeurs ne s'en sont pas cachés, hein, c'était carrément un MMORPG développé pour contrecarrer un petit peu Diablo 3. D'ailleurs, certains développeurs sont issus de chez Blizzard, donc les mêmes qui ont développé le premier Diablo. Donc, voilà, ils voulaient faire un MMORPG de style Diablo. Oula, attention. Et donc ils ont sorti leur premier jeu assez rapidement en 2009, donc le Torchlight 1. En travaillant directement assez rapidement sur le deuxième épisode, puisqu'ils voulaient offrir le plus rapidement possible un multijoueur. Donc ce qu'ils ont fait avec ce Torchlight 2. Oula, alors là il y a du monde. On va remonter un petit peu l'énergie, histoire de pas se faire bouffer. J'avais essayé la partie pas en vétéran mais en normal. C'est vrai que c'est assez facile, mais en vétéran ça se complique un petit peu plus. Donc au niveau du challenge c'est plutôt sympa. Donc si vous n'êtes pas habitué des hack and slash en général, vaut mieux essayer le mode normal. Si vous êtes habitué à ce genre de jeu, je vous conseille plutôt le vétéran. Voilà, donc là j'ai récupéré pas mal d'objets. Donc vous voyez, les loots sont quand même assez impressionnants. Hein. J'ai pas fait 5 minutes de jeu qu'il y a énormément d'objets à récupérer. Donc que je vais retrouver ici. Donc voilà, par exemple la Fire Wand, la baguette magique de feu. Donc il me permet de comparer ce que j'ai et ce que j'ai récupéré ici. Donc bon, je vais pour la mettre sur mon perso, c'est le clic droit. Alors là par exemple, voilà, donc si je veux le mettre, je peux le mettre en fait quand je vais avoir rempli toutes mes cases d'objets. Parce que dans pas longtemps je vais avoir rempli toutes mes cases. Je peux me servir de mon animal de compagnie comme mule, c'est-à-dire lui donner des objets qu'il pourra porter. Alors la nouveauté, c'est qu'il lui va pouvoir aller les vendre au marché. Ah non, il peut pas là. Pourquoi ne peut-il pas? Apparemment, il peut pas encore. Normalement, en cliquant sur cette touche, voilà, il va pouvoir aller les vendre au marché. Donc nous, on va récupérer de l'or. Donc c'est assez rapide, hein, ça prend 2-3 minutes suivant la distance qu'on est du village. Et en échange, on va pouvoir aussi lui donner l'ordre d'acheter des potions de santé et des potions de mana. Donc ça c'est plutôt bien vu, c'est plutôt sympa comme idée. Ça va nous permettre nous de pas y aller, de pas retourner au village pour les acheter. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a une pierre. C'est bizarre que je puisse pas...
je puisse pas lui donner l'ordre d'aller... Peut-être qu'il faut que je finisse le premier niveau, je pense. Oula, non. Donc voilà, pas mal d'exploration donc dans ce jeu. Donc là, il y a un petit peu de monde. J'ai aussi des Vanquishers qui sont là. Donc qui sont des alliés à moi. Alors on va reculer un petit peu pour pas perdre trop de vie. Bon, on voit que le niveau est quand même beaucoup plus difficile en niveau vétéran qu'en normal. Plus d'ennemis à l'écran. Hop. Voilà, donc je viens de prendre le troisième niveau. Donc je vais pouvoir répartir mes points de mes stat points. Voilà, j'en mets un petit peu partout. Moi, je sais pas vraiment la technique à adopter. Ça, c'est suivant votre façon de jouer. En bourrin, vaut mieux mettre dans la force. Et donc ici, c'est pareil. Je vais pouvoir changer. Voilà, on va mettre long range mastery pour tirer un petit peu plus loin. Alors, est-ce que je peux mettre cette fois des objets dans... Non, toujours pas. Je peux pas aller lui donner l'ordre d'aller les vendre au marché. Ouais, je pense que je suis trop près du marché, donc je peux pas envoyer mon bulldog Owen pour vendre... Voilà, on peut discuter. Ah, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que j'ai fini le premier niveau? Donc au niveau de la musique, pareil, c'est une musique excellente, hein, vraiment adaptée au jeu. Elle a été faite donc par Matt Huelman, qui est le même qui a fait la musique de Diablo 1 et Diablo 2. Donc encore une fois, bah, c'est le même gars qui a fait les musiques de ce jeu et donc de Diablo. Donc là, on est carrément donc pas dans la copie, hein, mais pas loin. Là je ne peux pas passer, je ne sais plus où il faut que j'aille. Là je crois que je suis dans le village d'ailleurs. Alors je ne sais plus où il faut aller à ce moment-là. Donc pour ceux qui ont été un petit peu déçus des Diablo 3, de Diablo 3 en tout cas, Torchlight donc est un jeu que je vous conseille. Dans la même lignée. Est-ce que je peux monter par là? Oh, faut que j'aille parler à Jojo. Alors là, donc il me propose des armes. Donc quand on finit des niveaux, souvent c'est ça qu'il nous propose, des armes. Beaucoup de blabla, hein, il n'y a pas vraiment grand chose. Là donc j'ai dû activer une porte, je ne sais pas laquelle. Je pense que c'est par là. Voilà. Donc je vais vous montrer le début du deuxième niveau et puis je vais vous laisser là-dessus. Donc avec le jeu Torchlight numéro 2. Donc un jeu qui est sorti en 2012, téléchargeable sur Steam. Je vous conseille d'essayer la version démo si ça vous intéresse. Qui est vraiment assez longue, hein. On peut vraiment s'amuser pendant une heure. Ah merde, je suis en train de revenir... en train de revenir à l'enclave, au village. Donc vous voyez donc un jeu qui a beaucoup de possibilités, donc avec 4 classes, beaucoup de skills à développer, beaucoup d'expérience à acquérir, beaucoup d'armes, beaucoup de loot, même énormément de loot. Et donc, comme un Diablo, hein, les niveaux sont générés aléatoirement. Donc, ce qui offre une rejouabilité et une durée de vie assez importante, même très très importante. Donc, j'aurais aimé vous montrer mon arme, une arme secondaire. Mais je crois pas que ce sera pour cette fois. Ce sera à vous d'essayer donc ce jeu.
Donc beaucoup de clics à faire sur les ennemis. Le pointer et cliquer. Typique donc des hack and slash de type Diablo. Et donc je vais vous laisser là-dessus avec Torchlight 2, donc un jeu à essayer. Non, là je reviens au départ. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, une prochaine chronique ou un prochain test. À bientôt, ciao.